Le Réseau National des Missions Emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Et ce matin, je vous propose de découvrir un métier particulier qui allie le ciel et la mer. Bonjour Maître Louis. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes contrôleur aérien à la Marine Nationale. Oui, c'est ça en fait, ça allie le ciel et la mer quoi. C'est ça, c'est un peu ce que les gens ont du mal à voir, c'est ça, de se dire que eh bien dans la marine, il y a des bases aéronavales et que les avions qui vont sur le porte-avions ne sont pas bien des sûr. Avions de l'armée de l'air, mais des avions de la marine. Racontez-nous un petit peu comment vous avez été amené à faire ce métier. Qu'est-ce qui vous a décidé, vous a donné envie de vous orienter vers ce métier-là de contrôleur aérien dans la Marine Nationale ? Alors déjà, depuis tout jeune, j'ai une passion pour l'aéronautique. Et en fait, à la base, je voulais essayer de devenir pilote dans l'armée de manière générale. Donc, j'avais tenté et l'armée de terre et la marine. Et j'avais mis en deuxième choix contrôleur aérien, toujours pour rester dans le domaine de l'aéronautique. En étant échec en simulation pour devenir pilote, du coup, j'ai réactivé la voie contrôleur aérien. Bon, rassurez-moi, c'est un métier qui vous plaît. Et ça fait 3 ans et c'est un métier qui me plaît vraiment, dans lequel je m'épanouis tous les jours. C'est quoi les qualités qui sont nécessaires pour faire ce métier-là ? Alors je dirais qu'il faut être méthodique et rigoureux, bon en anglais, il faut quand même savoir parler, écrire pas forcément, mais savoir parler et comprendre, c'est très important parce que... Par exemple, à Lorient, on gère un trafic civil et militaire. Donc, on a des avions qui peuvent venir de l'étranger. Et puis, il faut savoir aussi que tous les avions de chasse dans l'armée de l'air ou la marine, en fait, parlent en anglais. Qui dit contrôleur aérien dans la marine nationale dit déplacement, finalement, aussi. Vous êtes beaucoup en mer. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, dans la marine, il y a 4 bases aéronavales, une à Landivisio, une à Langeac au sud de Brest, une à Lorient et une à Hyères à côté de Toulon. Et en fait, sur ces 4 bases, elles vont chacun avoir un nombre de places attitrées qui vont partir soit sur porte-avions, soit sur porte-hélicoptère. Ça veut dire qu'on part combien de temps en général, en moyenne ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, ça, c'est en fonction. Ça dépend vraiment ? C'est surtout le porte-avions qui part, ça dépend des missions du porte-avions, mais en moyenne, 4 à 6 mois par an. Et alors du coup, c'est un concours, vous le disiez, un concours spécifique, concours compliqué ? Alors, il n'y a pas vraiment de concours, non. La plupart des gens ont un baccalauréat scientifique. Ensuite, on part sur faire nos places à Brest ou à Saint-Mandrier pendant 4 mois. Et ça, c'est commun à tous les officiers mariniers de la Marine nationale. Et après ces 4 mois, en fait, on est chacun affecté dans nos spécialités. Donc, nous, après contrôleur aérien. Et là, c'est 1 an et demi à Toulouse où on est mélangé en fait au civil et en fait on fait la formation similaire au civil pour vraiment la formation contrôleur aérien avec une petite partie militaire spécifique au contrôle militaire. Vous comptez faire ce métier combien de temps ? Est-ce que vous pensez évoluer peut-être plus tard ? Comment ça se passe de ce côté-là ? Alors à la marine, donc on est formé. Ensuite après, quand on arrive, on est formé à l'ENA, qu'on a toutes les qualifications, enfin toutes les, on étudie toutes les formations. Et ensuite une fois sur base, on commence. On a différents postes de contrôle. Donc on commence au poste sol, puis au poste air, puis au poste radar. Donc il faut compter environ 5 ans pour avoir toutes les qualifications sur une base, sachant que toutes les qualifications sont propres à une même base. Donc quand on change de base, il faut repartir de zéro. De la formation se fait plus rapidement aussi. Mais voilà, il faut compter au moins déjà 5 ans sur un centre de contrôle pour avoir toutes les qualifications. Donc moi, par exemple, pour l'instant, je suis à l'entraînement à l'air en ayant été lâché au sol et une mention finale qui est une mention juste militaire. Et donc je veux faire toutes mes qualifications à Lorient et ensuite je verrai si je veux éventuellement partir sur un autre centre. Métier exigeant, métier passion. Merci beaucoup Maître Louis d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de ce métier de contrôleur aérien à la Marine Nationale. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Vous a été présenté par le Réseau National des Missions Emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.